Je vais déclencher une petite vidéo après avoir fait un repérage photographique. Et il s'agit d'un restaurant tibétain qui est en travaux. Et avec un coup d'éponge et du blanc d'Espagne, eh bien il s'est mis en loge, en travail. Et je suis allé acheter une carte mémoire, et en sortant du magasin où j'avais acheté la carte mémoire, mais on pourra voir les photos si on veut s'attarder, à moins qu'on passe sur la pause. C'est toujours dans le cadre de l'observatoire des nuages de Roseau Is, parce que bon, le blanc d'Espagne, bah, ça sert parfois à faire des nuages autrement en peinture. Alors on a ici vraiment la mythique vision Christine et Laurie Granier. Trois petits points d'Atlantide, trois petits points langue Drozoïs, en fait de dose, hein. Puisque, alors je suis bien content. Donc c'est un restaurant tibétain, là on voit qui offre en fait en bonus. Alors qu'à première vue, avec les yeux, ça, en passant, on ne voit pas du tout ça. On ne voit pas qu'il y a des visages là. Alors, mais si on ferme le diaphragme, on passe en position manuelle, eh bien, on va. Alors, mais il faudra mettre en verticale l'écran. Donc, d'où l'importance de disposer d'écrans gyroscopiques, d'autant plus que probablement si on met l'écran comme ça, il y a autre chose à voir. Et en général, les cadreurs ne le font pas. Mais là, je le fais, je l'improvise. Mais ce qui est quand même beaucoup plus sympa, c'est d'avoir un écran plat gyroscopique qui permet de le faire sans avoir besoin de le faire à la prise de vue. En courant le danger de faire tomber le caméscope. J'en ai récemment. C'était pour une autre raison, je m'en suis servi comme une lampe de poche. Mais donc, j'ai malheureusement, il est tombé par terre. Alors là, on a. Donc, j'ai dû le changer. Alors, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, on ne fait pas de photo. On ne peut pas faire photo. Alors là, on en a d'autres. Donc ça aussi, ça obéit à la loi de la quantité, de la rareté. Donc on peut en faire autant qu'on veut avec un coup d'éponge. Mais dans les photos que vous verrez dans l'album, il y a aussi, j'ai pu rentrer, le responsable du magasin m'a permis d'entrer, enfin du restaurant, enfin des travaux m'a permis d'entrer, et j'ai pu photographier de l'intérieur. Donc il y a le verso, il y a le recto ou le verso, si vous préférez, ça dépend comment vous voyez la chose, qui est pas inintéressant. Et puis il y a aussi là aussi, il y a carrément une illusion de la 3D que j'ai pu déceler tout à l'heure dans le repérage photo qui a précédé la séquence que j'improvise malgré tout. C'est un premier jet. Et donc on a, mais il faut la faire en position manuelle, donc en retirant la position et automatique, hein, en passant, en pouvant contrôler soit le diaph, soit la vitesse même d'exposition au besoin. Et donc on a comme ça une idée de ce qui a été fait sans même
d'une façon inconsciente. Là, c'est de la peinture inconsciente. Et cette peinture inconsciente, malgré tout, elle va révéler des choses qui, si elle devait avoir été faite d'une façon consciente, aurait été impossible à faire. Donc c'est le rapprochement du blanc d'Espagne avec la matière première du verre transparent combiné à l'appareil de photo qui donc au diaphragme de l'appareil de photo qui va donc permettre de révéler ce qu'on voit pas du tout à l'œil nu. En passant, il y a que en photo. Donc c'est pour ça que c'est une séquence pour radio, pour télé N comme nuage. et donc on en a une autre ici, mais il faut là assombrir beaucoup plus ou peut-être éclairer, bien qu'on voit à l'intérieur les travaux. Je vais pas déranger là parce que je l'avais fait tout à l'heure et puis c'est pas vraiment très intéressant, d'autant qu'il y a des choses devant. Devant la vitre, donc j'ai pu en avoir qu'une seule. Donc je veux pas, en plus ça prendrait du temps d'ouvrir la porte, de passer. Et donc je vais pas le faire dans le plan séquence. et puis il y a ici cette vitre qui est pas inintéressante non plus à regarder pour les gens qui aiment les dentelles. Mais vraiment, ça ne se voit pas normalement. Et ça n'est que parce que j'ai pu découvrir ça en photo que je considère que ça peut être une belle alternative à, en attendant la restauration de la vision d'Atlantide à partir du très grand variateur selon un programme d'assevrage collectif, c'est-à-dire tous une fois de temps en temps 5 minutes de vision mythique Christine et Laurie Granier d'Atlantide 3T.lambda. Moi je pense que ça serait c'est déjà vraiment magnifique hein. C'est vraiment des œuvres, ça rappelle les plus belles œuvres d'art et c'est dans la transparence du verre. C'est extraordinaire. Alors, en plus pour moi j'ai été pendant quelques années, je voyais plus très bien, mais heureusement ma vue est revenue parce que j'avais dû prendre l'ensemble des épines qui étaient dans les yeux de Satan pour le sauver. puisqu'il ne voyait plus rien, alors comme je suis devenu Bouddha, au moment où je suis devenu Bouddha, l'ensemble des épines qui étaient dans mes yeux, qui m'empêchaient de voir les choses, ont été détruites d'un seul coup au moment de ma métamorphose en Bouddha. Ce qui fait que depuis, je vois de nouveau bien. Et je suis bien content de pouvoir... enfin, de confirmer que le mot vidéo, ça signifie vraiment voir, ouais, aussi. Alors là aussi, ça mériterait de disposer d'écrans plats gyroscopiques, parce qu'il est probable que ça soit vraiment aussi un chef-d'œuvre dans l'autre sens. Hein. Même si ça n'était pas un chef-d'œuvre à première vue, simplement ces coups d'éponge, parce qu'on ne voyait rien. Tant qu'on n'utilisait pas les appareils de vidéo caméra pour obscurcir, hein, pour contraster, pour augmenter le contraste et du coup ça permet effectivement de discerner, là on voit, mais ça on ne le voit que de cette façon, on ne voit pas. Pour voir à 180 degrés, il faut alors à ce moment-là tourner. Je vais le faire en faisant bien attention que la caméra ne tombe pas, le caméscope ne tombe pas. Voilà.